Ah, salut ma couille, c'est Juju, comment ça va? Vous avez vu, j'ai travaillé le style aujourd'hui un petit peu. Bon après, la vérité c'est pas que je viens de me lever, du coup j'ai des yeux un peu défoncés, mais on va dire que c'est le style. Voilà où on en est aujourd'hui. Je pense que ça va être le dernier épisode, puisque la dernière fois que je vous avais laissé, regardez, on s'était laissé là. Ha! Oh quel teubé! Vous avez compris ce qui s'est passé ou pas? Je viens de faire sauvegarder à la place de charger. Du coup, j'ai plus ma sauvegarde. Ah ça, c'était un moment à capturer en live. Ah, je sais pas quoi faire là. Attendez. Oh shit! Y a pas un contrôle Z sur la Switch? Oh shit. J'espère que j'avais sauvegardé assez tôt là-dedans. Oh shit. Oh ça me fait chier. Oh ça me fait chier. Oh ça me fait chier. Mais à un point. Oh. Oh là là. Bon, je vais pas faire la vidéo aujourd'hui du coup. Puisque je vais passer quelques jours, non peut-être un jour, à tout refaire depuis là. Oh, ça me fait vraiment chier. Oh là là. Mais alors, j'ai combien de vie en fait? Est-ce que ça a quand même sauvegardé le fait que j'avais 35 vies? En vrai, que j'en ai 35 ou pas, c'est la même merde. Non, bah écoutez, on fera cette vidéo une prochaine fois. Ça me fait chier, mais comme c'est pas possible. Je pense que je vais vous laisser cette intro parce que c'est quand même un moment incroyable. Jamais dans ma vie je pensais que ça se produirait. Bon, c'est pas, ça reste un truc banal dans un jeu vidéo, mais quand même c'est insupportable. Ça me fait chier. Je vous retrouverai pour la prochaine fois pour le vrai début. Allez, à plus. Finalement, j'enregistre ça tout de suite après être, avoir, j'ai refait tous les niveaux. Ça m'a pris une heure, à peu près une heure, ouais. Par contre, je suis dégoûté parce que là j'étais en train d'enregistrer la suite. J'étais en train de faire ce niveau. Je l'avais fini. Et mon ordi avec plus de batterie, il s'est éteint. Et du coup, l'enregistrement loin, il s'est taillé. Du coup, on va se refaire ce niveau. Je vais faire semblant que je le découvre pour vous faire plaisir. Non, non, je rigole. Oh, un château avec des bananes. Wow! Putain, c'est vraiment la première fois que je vois ça. J'ai jamais fait ce niveau avant. Bref. Donc, on continue après le petit désagrément qu'il y a eu avant. Bon, du coup, je connais un peu le niveau par cœur, oui. Parce que je suis mort deux, trois fois. Mais bon, bref. Ça m'a quand même bien fait chier de tout refaire. En fait, ce qui me faisait surtout chier, c'était de refaire les niveaux de la dernière vidéo, là. Ceux sur lesquels j'ai galéré. Et je suis mort plusieurs fois. Celui avec l'araignée, typiquement. Et encore une fois, je suis mort plusieurs fois avec l'araignée. Mais bon. Oh, j'ai vu un truc à droite, c'était quoi? Ah, c'était la lettre K, tout simplement. Bon, bah, on n'a pas réussi à la voir, tant pis. On nous donne le rhino dès le début. Du coup, ça rend le niveau beaucoup trop facile. Mais bon. Ah oui, bah, tiens, attendez. Il y a un truc que j'avais raté. Il y a un truc que j'avais raté avant avec le rhino. Donc, je vais essayer de le réussir cette fois. Voilà les avantages de refaire un niveau. Oh, il a pas pris la pièce. Les avantages de refaire un niveau deux fois. Oh là là. Ça, j'avais pas réussi. J'étais pas venu à temps. Est-ce que je garde le rhino? Oh yes, je garde le rhino. C'est facile du coup, si j'ai le rhino. Hop! Un token en plus! Ce qui nous fait 15 tokens. Incroyable. Du coup, ça veut dire qu'on peut aller faire le niveau bonus. Est-ce qu'on va aller le faire? Il a pas pris les bananes, le con. On va aller le faire, je pense, mais
avant le boss final. Quand on sera juste devant le boss final, on va se dire non, en fait, je vais faire le niveau bonus. Un truc du style. Putain. Ok. C'est un raccourci que j'ai pris là? Oh! Bon, j'ai pas eu le K par contre. Vous avez vu, j'ai dit oh alors que j'ai ramassé le O. C'était marrant ça. Ok. Checkpoint. Et là. Merde, je devais aller à droite. Quel con. Parce que. Oula. Si tu vas à droite, il y a le perroquet. Et tu peux jouer avec le perroquet. Et c'est beaucoup plus facile parce que tu voles. Mais du coup, j'ai zappé. Tant pis, on le fera comme ça. Après, étant donné que j'ai un skill hors du commun, ça va aussi passer comme ça. Oula! Ah ouais, mais du coup, j'aurais pas le. Ouais, genre. Il y avait un token, un niveau bonus à gauche. Du coup, je l'aurais pas. Bah écoutez, tant pis. Tant pis. En fait, ce niveau, c'est un peu la tour infernale. Ah ouais, mais je suis dégueulasse, je suis trop deg en fait, parce que dans la dernière vidéo, figurez-vous que j'avais passé 10 minutes à vous parler d'un sujet qui n'avait rien à voir avec le jeu, et puis voilà, du coup tout passe à la poubelle. Super. Bon, en vrai, je peux vous en reparler maintenant, mais j'étais en train de vous dire dans la dernière vidéo, enfin celle que vous ne verrez jamais, que d'un coup, du jour au lendemain, j'ai eu dans mes recommandations YouTube tout un tas de vidéos qui parlaient de l'affaire Patrick Poivre d'Arvor. Et je me suis questionné parce que, oula, je voyais tous la réaction des gens. Il y en a plein qui disaient ouais, elles font ça pour la thune, elles dénoncent un mec pour la thune et tout. Mais bon, là j'y arrive bien, je vous garantis que je suis mort en tout cas 5 fois sur ce passage. Hein. Je vous garantis que ça m'a pris du temps avant d'avoir le timing. Mais pour les témoignages, il y a eu 90 témoignages contre Patrick Poivre d'Arvor, comme quoi il y a eu des abus sexuels, des viols et des trucs comme ça. 90. Et je pense pas que 90 personnes auraient fait des faux témoignages, tu vois. Ça, j'en doute fortement. Donc, voilà. J'ai entendu 2-3 témoignages, il y en a certains que c'est quand même hardcore. Quand même. Après, comme. Ouais. Je me disais aussi. Ouais, je peux pas avoir le tonneau là, je sais pas comment. Ouais, fallait passer à gauche. Je me dis aussi. L'époque où il a fait ça, c'était dans les années 90-2000, c'était une époque où c'était normal de coucher pour réussir, tu vois? On te disait, il faut coucher pour réussir, c'est normal de devoir faire ça. Et aujourd'hui, c'est ces femmes qui ont couché pour réussir, entre guillemets. Non, pas vraiment en fait, non, attends. Parce qu'il y a 2-3 témoignages de viol, donc des meufs qui ne voulaient pas coucher pour réussir, qui ont juste été violées. Ça, ok, ça c'est dégueulasse. Mais les meufs qui à l'époque ont accepté de coucher pour réussir, est-ce qu'aujourd'hui elles ont le droit de se plaindre? C'est ça que je me pose la question là-dessus. Parce que, ouais. Bon, ce niveau, il me fait bien plaisir en vrai. Parce que j'ai cru que ça allait être un niveau aquatique. Ça me faisait chier d'avance, mais en fait, non, c'est un niveau glacé. Tu marches sur la glace, tu glisses, et hop, tu vois. Donc, en fait, c'est cool ce niveau. Sauf cette partie-là, parce que là, on est sous l'eau. Eh oui! Toute bonne chose a une fin. Non, ça t'as pas le droit. Attends, je peux aller là-bas? Oh merde, il est là! Je croyais qu'il se taillait, moi. Ouais, bon, laisse tomber. Oh non, mais les ennemis qui repopent. Oh, j'ai eu une vie. Là, je fais comment, en fait? Allô? Allô? Je peux passer quelque part. Attendez, il y a une étoile qui s'est. Voilà, il y a une étoile qui se taille.
faut que je trace. Écoutez, on va tracer. Pourquoi une banane là? Au secours. Oh, c'est même pas par là qu'il faut aller. C'était là-haut. Quel connard. En vrai, ça va. J'aime bien ce niveau. Attendez, comment ça? J'ai pas eu de checkpoint? Mais il est où le checkpoint? C'est quoi ce bordel? On va te faire foutre. Tant pis pour la pièce, on trace. Écoutez, on trace. C'est vrai, ça, il est où le checkpoint? J'en sais rien. Peut-être que... Il y a un chemin que j'ai pas pris. Ah, c'est clair que c'est plus facile comme ça. Hein. Ah non, en fait, j'ai gagné une vie parce que j'avais tout, j'avais 100 bananes. Il n'y avait pas de vie là-haut. Bon, attendez, écoutez, on va aller rechercher ce qu'il y a là-bas. C'est gratuit. Ça coûte rien, donc voilà. J'en étais sûr. Il y avait un secret. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok. C'est bizarre comme sol. Mais bon. Ok, on repop là. Non, 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 non. Fais pas ça. Merci. Non, pas lui. Et puis, il m'a fait peur, il m'a fait sauter dans l'eau des piranhas. C'est n'importe quoi. Et j'ai vu que le checkpoint était là. Putain, mais en fait, le niveau est long. Les phoques crachent des gouttes de glace, si jamais. Faut le savoir, ça. Pour geler la glace. La prochaine fois que vous verrez un phoque, vous vous méfierez parce que vous pouvez mourir gelé à tout moment. Ça, c'est insup. Allez, prends ça. Mais pourquoi je vais à gauche à chaque fois? Il n'y a rien, en fait. Non. Non! Remonte! Trop tard. C'est foutu. C'est foutu. Ah mais du coup on a eu le token donc on n'a pas besoin de le rechoper. Oh putain. Donc tant pis, on va tracer. On va tracer avec cette portion de niveau qui nous fait bien chier. Ah mais il tombe dans l'eau. Ok. Ok, on a le checkpoint. Vous avez vu le piranha en dessous, il m'attend. Hein. Il attend que je fasse l'erreur et puis il me bouffe. Oh non. Non c'est bon. Non. On va y aller toutes. Oh, on peut aller sous l'eau? Il y a des pièces sous l'eau? Incroyable. Par contre, il voulait pas sortir de l'eau. Hein. Il se cognait sur la surface de l'eau. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Bon, là, je gère du coup. Mais va te faire foutre. Les gros balèzes, ils sont vraiment chiants. J'ai pas eu le réflexe de le taper. J'ai eu les 4 lettres. Il y a une abeille qui tourne autour du phoque, vraiment? Déjà, depuis quand les abeilles et les phoques sont amis? Mais ils sont pas amis en fait. Attendez, là où il y a un truc. Attendez. Une étoile. Ok, je prends. Je prends tous les jours ça. On va buter. Attendez.
contre, je sais pas quand ça se finit. Hein. Ah, ça se finit maintenant. Le jeu te dit, tiens, maintenant! Oula! Maintenant, c'est fini. On va garder le tonneau. Ça peut être précieux. Oh non! Oh non! C'est uniquement Dixie qui peut aller là-dedans. C'est ça que tu veux. C'est ça que ça veut dire. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, écoutez. Oula, attention, là j'ai l'impression que c'est le boss final. J'ai vraiment l'impression que c'est le boss final. Donc, on va s'arrêter là. On va se dire salut, salut, à la prochaine. Ciao, ciao. Et à la prochaine pour peut-être le boss final. Allez, à plus.